Et salut tout le monde, c'est Jean Bloch et on se retrouve pour ce 7e épisode du Let's Play de Black Flag. Ouais, c'est beau, j'ai arrêté l'Assassin's Creed. Bon, c'est Assassin's Creed Black Flag, hein, bien sûr. Oh, oui. Maintenant, je peux améliorer le bateau. Enfin, bref. Donc, on s'était laissé, on va accoster à Baco Island, plutôt. On ne prononce pas le S. Voilà. Et on va pouvoir continuer, je vais voir vite fait là, les améliorations. Alors, protection de la coque. Je peux améliorer quoi? Je peux améliorer le mortier. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux améliorer du côté de notre cher Edward? Ensemble d'épée. Ah, les trucs, c'est que. Ah, je peux... Le sabre de corsaire, ce serait bien. En vrai. Mais ça, vous avez vu le prix que ça coûte? Ensemble de pistolets... Pareil, ça coûte vraiment beaucoup de thunes. Voilà, et c'est bon. Il n'y a pas les possibilités d'avoir les tenues des précédents Assassin's Creed, je crois. Enfin bref. On est arrivé à bon port. On va lâcher la barre. Parce qu'ils disent naviguer jusqu'à truc, mais le problème c'est qu'on peut pas naviguer. Ah, moi je me suis trompé. Ah, peut-être ça. Ok, je vois. Peut-être que c'est ça. Eh oh! N'indique pas derrière nous comme ça. Tiens, je cherchais comment monter. Voilà. Salut! Désolé, je vais prendre le petit bain. Non mais. Envoyez la grande voile! Toute la toile! Gardez tout sauf la grande voile! À l'avant! Gardez tout sauf la grande voile! On va vers la terre, capitaine! Mettez en panne! Vite les gars! Fermez ces voiles! Ok, voilà. Je l'ai fait. Donc maintenant on peut descendre. Apparemment il y a de la faune. Bah il n'y a pas de petit bateau pour y aller donc. Je chasse. Alors, chasse et fabrication, vous pouvez chasser des animaux et les dépecer. Ouais, ça c'est... pas ouf, hein. Ouais. Je sais, ouais, mais bon. J'aimerais que ça se passe autrement, mais bon, la mission. Il a dit les Oslo. Ok, je vois. Ici. Je me demandais vraiment ce que c'était, mais bon, on sait à peu près ce que c'est. Oh
J'en ai vu un là-bas. Si je me débrouille bien. Hein? Des codes de triche? D'accord. Il est là le coffre. Je me demandais où il était le coffre qui... Ok. Allez. Je pense qu'on va passer par là. Hein. Non. Mais je suis censé pouvoir grimper sur ces arbres, non? Ok, je suis pas censé. Et... Donc il y a un cycle jour-nuit comme ça là, pendant que tu te balades et tout. Voilà. Bon, maintenant. Désolé, hein. Bah, c'est vrai que c'est... une mission, hein. Je... pas vraiment le choix. Les mecs, ils diront, mais si, t'as toujours... Ouais, mais le problème, c'est que... Je dis toujours qu'on a le choix, mais... Raté. Allez, c'est bon, c'est réglé. On n'en parle plus. Il sera dépecé. Heureusement qu'il monte pas. Hein. Allez, accéder à la session fabrication. Ok. Ok. Et amélioration de santé. Voilà! Ouais, parce qu'en fait, c'est utile. Voilà, t'as les bananes à bosse, t'as les peaux de crocodile, là, les peaux de cividé, peaux de jaguar, oh là là. Je veux ce truc là-haut. Je peux regagner le navire comme ça. Attends, il n'y a plus rien à faire sur cette île ou... Si, si, il y a encore des trucs à faire. Il y a une chaloupe. Il y a des chaloupes partout en vrai. Ça fait les Oslo. On va marquer... Non. Marque ça. Ils m'attaquent pas. Hein. Non, ça va, ils sont apeurés. Je les comprends. Hein. Il y a leurs potes qui se sont fait flinguer il y a quelques secondes. Non, non, ils sont vraiment apeurés. Hein. Tu me diras, tant mieux. On a un cadavre ici. Tu veux interagir? J'aime mieux ça. La carte au trésor. C'est la même île? Quoi?
je fais suivant? Ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Ok. Précédent. Donc, celle-là. Est-ce que c'est cette île-là? Je sais pas. Attends. Est-ce que ce serait cette île ici? Non, c'est pas cette île-là. On est dans... Non. C'est peut-être celle-là, là-bas. Bon. Enfin bref, on aura l'occasion de voir ce que c'est. On va récupérer la bouteille à la mer là. D'ailleurs, c'est pas une bouteille de rhum. Peter Beckford, l'ancien. Il faut dire, il me faut dire un mot de mon, il me faut dire un mot de mon employeur ses relations que j'ai dû mes temps les plus troublés. Était un homme de grande persistance. Ok, je, ça a l'air d'être dans un langage un peu, je ne comprends pas. Donc j'ai fini Lila 100%. Bienvenue. Ah d'accord. Mais attends, ça veut dire qu'il y a un truc derrière pour aller? Non? Non? Captain, t'as ce qu'il te faut? Ouais. Mes désirs et mes besoins sont séparés par une abîme, Adé. J'ai réussi à me fabriquer un nouvel étui. Reste plus qu'à trouver le pistolet. Tiens. Il traînait dans la cale, comme tu l'avais dit. À peine mieux qu'une sarbacane. Mais ça ira. Alors, ils sont reposés? Ou tu veux qu'on reste ici plus longtemps? Mieux vaut remonter l'ancre. L'équipage brûle de retrouver la civilisation. Moi aussi. On ne trouvera pas de civilisation en assaut. Mais c'est l'endroit rêvé pour prendre du bon temps. Ah. Un petit 100% pour faire plaisir. Pistolet multiple, appuyé sur F à plusieurs reprises pour enchaîner les tirs sur les cibles sur la brillance à l'aide des pistolets dont vous êtes équipé. Ces tirs infligent moins de dégâts mais interrompent les attaques. Ok. On doit aller où? Nassau. Vas-y, marqué. On va y aller, hein. Ah ben, j'ai bien fait de regarder. Oh. Ah, il y a des trucs à récupérer, on va les récupérer. Hein. En vrai. C'est quoi ça? Attends, il y a une île à côté. Bah attends, c'est pas l'île que je viens de faire? Bah si. Maintenant, elle est rouge. Ok. Ah,
Putain, les chants de pirates, c'est vraiment cool. En espérant que... C'est quoi cette zone là rouge? Est-ce que je me déplace bien? Ça a l'air, ouais. Voilà. Parmi les pirates les plus prospères. Ah ouais, il y a un classement. Vas-y, sale chien de terre. Dis-moi que tu m'arrêtes. Dis-le. Tu les connais? Fiche le camp, boyo. Retourne chez ton maître. Aïe. On a été corsaires ensemble jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Ok. Là, il y a du crocodile. Alors, généralement, quand tu arrives ici, le mieux, c'est d'aller chercher le point. Non synchronisé le plus proche. J'aurais bien fait celui-là là-bas, mais je pense que c'est... C'est une zone un peu tricard, mais bon. Donc on peut chasser du crocodile. Moi je peux... Ah si, je peux l'ouvrir. Ah d'accord, l'autre ça veut dire que j'ai pas pu l'ouvrir. J'ai pas fait attention. Une boîte qui va permettre d'améliorer peut-être le bateau. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Et c'est surtout que maintenant on se rend compte que... On va se suspendre. Qu'apparemment... Et c'est surtout qu'on remarque que maintenant, les points d'observation servent surtout à faire des nouveaux points de TP. Mais l'idée est pas mauvaise. Ça te donne encore quand même un intérêt pour les faire, mais... Alors, donc il y a un cochon sauvage. J'ai un truc avec les cochons sauvages à faire. Il y a un bateau qui a l'air d'avoir un... Fragments d'animus. Je me renseignerai hein, pour les fragments d'animus. Donc j'ai mon point. Il y a le lapin. Il y a le truc d'animus. Est-ce que j'ai vraiment besoin du cochon? Ouais. On va de vrai. Non. Ensemble. Non, c'est fabrication. C'est lui, hein, la cochon. Transporter 10 balles supplémentaires. Ok. Eh ben la chasse, hein. Voilà. J'ai
juste à côté, donc sur les cochons. C'est horrible, hein. En plus, je me rappelle que j'avais pas fait la chasse sur le précédent opus. Est-ce que les cochons nous chargent? Alors, c'est un endroit où il est censé avoir des cochons. Il y en a un là-bas. Dans le cul. Heureusement, il le monte pas. Je suis dans... ok, d'accord. Il le monte pas, mais il te montre vraiment le cadavre. Ah, la partition revient. J'ai envie d'encore des nouveaux chants. Il va nous emmener. Oh merde. Putain. Vas-y, c'est bon, j'abandonne. Nique-toi avec ton truc. Oh là là, quel horrible chasseur. Ouais, en fait, ils ont rendu le truc pas obligatoire, mais pas loin, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui diront, bah ouais, mais tu t'en fous, au pire. Tu veux pas le faire, tu le fais pas. Ok, donc je dois passer par là. Si je veux faire le truc. Ok, donc je passe par ici. Par ici. On va grimper. Voilà. Il y en a 13 ici. Ok. Oh merde, il y en a un là. Voilà. Ouais, c'est qu'un jeu vidéo. Je ferais pas ça IRL, quoi. Faut se dire ça. Fabrication. Voilà. Ah d'accord, l'étui niveau 4. On va faire direct l'étui niveau 4 pour le pistolet. Je viens de fumer un crocodile. Voilà. Il y a un coffre dans le coin. J'arrive à grimper. Ok, faut... Et je peux grimper sur cet arbre-là. Mais dis pas que je suis obligé de refaire tout le truc que j'ai fait. Oh, bon, laisse tomber. Bon, en tout cas, c'est sympa de visiter les îles et tout.
Je regarde à peu près où je vais. On va se rendre sur la mission. Ouais. Voilà. Il y a un coffre vraiment à proximité. Donc je me demande s'il y a une vraie fin ou un truc comme ça. À faire ou pas du tout. Ok. Bon Dieu, quelle joie de revoir cette primousse. Approche et trinque avec nous. Bonjour les gars. Salut Kenway. C'est qui lui? Adewale. C'est le second du Jackdaw. Jackdaw. T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plumes miteux. Ade, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle confédération. Ed Satch, Ben Hornigold, James Kidd. Et tu le laisses porter un pistolet? Calme, Ben. Ade m'a sauvé la vie. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras, c'est pas ce qui manque par ici. Mais sois prudent. Un contingent de marins du roi a débarqué il y a 2 semaines. Et depuis, ils se pavanent comme si la ville leur appartenait. D'accord. Je vais voir qui je peux trouver. Je pense que les propos étaient un peu plus dégueulasses quand même. Alors, dit que la potentielle d'équipage est un atout qui permet de piller les navires. L'abordage d'un navire de grande taille exige un équipage nombreux. Okay. Il y a 2 moyens de recruter les hommes, les engager dans une taverne ou aider des pirates en danger. Alors, on l'avait déjà fait. Recruter 15 pirates. Ok. Que tu trouveras au Jackdaw. Je les mettrai au travail. Merci, Adé. Il en faut 15, hein, grosso modo. Bien joué, les gars. Merci. Kenway, c'est ça? Ouais. Je suis avec toi. Ciao, ciao. Je le ferai plus tard. On va faire la mission. Il va en falloir. De toute façon, il y en a un peu partout. Et on va aller là. On va récupérer cela. Comme ça, je pourrais faire la détection. Là. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et on prend les munitions parce que nous on est comme ça. Y a pas de munitions sur lui. Okay. Je vais faire le truc hein, déjà. Pardon madame. Il n'y avait pas de mission de pirate à proximité. Par là je peux remonter. Je peux monter quelque part, merci.
S'il vous plaît, c'est bien. Voilà. Après, quand tu regardes, il y a vraiment des logiques de grind dans Assassin's Creed, et ça, c'est plutôt cool, quoi. C'est pas en mode je peux grimper n'importe où, tu vois, t'as vraiment des logiques de prise et tout pour pouvoir grimper. On saute. Mais il est où le truc que je devais débloquer à côté? Celui-là? Non, celui-là, ça a l'air d'être le plus éloigné. Ok. Parce qu'il y en a deux qui sont là à côté de l'autre. Autant faire celui-là qui est le plus éloigné des deux. Et comme ça, on a notre... Ils sont de retour. Voilà. Ok, donc on va retourner là où on devait aller de base, je pense. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être mis trop de temps pour secourir les pirates et ils ont été butés. Hein. Donc c'est là où je me suis foutu sur la... Ah oui, d'accord, ils sont là. Voilà. Il en reste encore. Ici. Ouais, ils se font exécuter en fait. C'est pour ça que j'ai dû rater ce move. Voilà. Je suis à tes ordres, capitano. Ouais, ça me va bien, capitano. Est-ce que je ferai pas ce point d'observation d'abord? Vous voyez? Et après, je fais la zone où il y a les pirates. Il y a des pirates partout, en fait. Bah oui. Il y a des pirates partout. C'est dingue. Il y a l'air d'avoir un truc aussi ici. Ah, d'accord. Je vais le récupérer. J'ai toujours pas regardé pour les fragments. Les fragments d'Animus. Hein. Ok, voilà. Et on grimpe et je les entends d'ici, les mecs se foutent sur la gueule. Mais ouais, vraiment cool ce jeu en fait. Franchement, je comprends pourquoi il est apprécié. Hein. C'est rafraîchissant en fait en termes d'Assassin's Creed parce que tu n'as plus l'aspect que d'un seul de seule culture et tout ça. Voilà. Normalement ça doit il doit compter que pour un. Ah non, pour deux. Il y a quoi ici? Que ça soit rouge. Je vais aller faire le truc là-bas. Oui. Hop. Ça va me permettre de découvrir un peu par là. Qu'est-ce que c'est? De toute façon, en plus, il me manque un seul pirate.
On va le finir, hein. On va le faire dans cet épisode, bien sûr. Parce que oui, je vois un peu le timing. Hein. Mais c'est pas dérangeant en vrai. Oh, par contre, oui, c'est des pirates qui se font flinguer, non? Voilà. Pardon? On est anonyme. C'est bon. Rejoignez le lieu de pendaison. Je peux... Ah, pardon. Excuse-toi. Il est où le lieu de pendaison? Ok, il est là-bas. Vous me faites chier, les gars, vous savez? Allez, vous me faites chier. Oh putain, l'allié est mort. Comment je peux lui couper sa corde? Je tire une balle? Ah, tirer sur la corde pour... Ok. D'accord. Ça fait sens. Voilà. Tu m'attendais, c'est gentil. Voilà. Ça me fait plaisir. Rejoignez la taverne. On va sortir de la zone alors. C'est où le truc pour détecter? Oh, c'est là-bas. On verra ça plus tard. Hein. Il y a des endroits comme ça. Et on va s'arrêter ici. Il dit que je ferai ce truc-là. Et après, on arrêterait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.